Et bien salut à toutes et à tous les amis, c'est 13h, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo les gars, custom test de la Corvette C2 2.0 édition qui est sortie dans le summit il y a pas longtemps là, aujourd'hui. Donc c'est parti, donc déjà le véhicule il est très 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 beau, parce que moi je kiffe. Et vu que c'est un véhicule summit, il n'y aura pas beaucoup de modifications je pense, mais on va faire avec. Donc les pièces, les pièces je les ai déjà mises. Donc on va commencer par les livrets. Ah, il est plutôt stylé lui. Ah, lui aussi. En vrai en vrai celui de base il est mieux je trouve. Ouais, celui de base il est mieux. Mais la peinture non, la peinture elle est bien comme ça. Ouais, bah, je crois que je vais absolument la changer. On était peut-être le pneu, peut-être mettre soin, non? Ouais, ça. Non, non. Bah, j'ai pas grand chose en vanité, mais ouais, pour l'instant, moi je vais absolument rien changer. Donc, on va juste mieux regarder le véhicule un petit peu comment il est. Bon, moi ce que je kiffe, les gars, c'est le phare. Regardez, il est fort. Un phare avant, ça fait tout ça. Et exactement pour la même chose, le phare arrière. Voilà. On va passer à l'intérieur. Ouh, c'est quoi? On va s'asseoir. Voilà. Alors, on a un compteur 160. Ah, j'aime bien, c'est un peu les anciens véhicules, on dirait un peu. Bah, un ancien véhicule d'ailleurs. Le volant il est sans bouton, sans. Je sais pas comment dire. Ouais. Ouais, ça, en vrai, les gars, l'intérieur. L'intérieur il est clean, hein. Il est bien fait l'intérieur, ouais. Moi j'aime bien. Ouais. Les essuie-glaces. Carré, hein. Ouh, beau bruit, hein. Et pas mal, j'aime bien. Regarde, écoutez. Bon, après ça, on va le tester. Ah, pour l'instant, moi, j'ai aucun défaut. Bah, on va directement aller le tester, hein. C'est parti. Donc voilà les gars, là on est à Miami. Ah, oh, par contre, le moteur il met. Le moteur je le kiffe perso. Après. Certes, c'est pas un véhicule pour faire des courses, hein, c'est sûr. Donc, quoi que gagner des courses en extrême, vous pouvez le faire avec, mais. Ouais, c'est pas le genre de véhicule à faire pour les courses. Par contre, ce véhicule pour faire des balles, je crois que ça va être le meilleur véhicule. Parce que d'une, l'intérieur il est stylé, regardez. Genre là, on va être là. Et voilà. En plus ce véhicule il drifte bien.
bah je vais le faire, mais bon. Mais bon, pour moi, parce que Viglux a accepté, je l'adore. Il est trop trop beau. Voilà. Bon, pour résumer, moi j'aime bien le véhicule. Voilà. Je le trouve beau. En plus, même si c'est pas un véhicule pour faire, pas pour faire des courses, ben, il avance quand même, quoi. Genre, c'est suffisant, quoi. Bon, je vais vous donner le réglage pro que j'ai trouvé et qui est pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas les gars à me dire dans les commentaires vous voulez que je fasse ça sur quel véhicule, des custom tests, plus un réglage pro. Et ben voilà, bon allez, ciao les gens.